Bon, je parle en français, c'est pas grave. Hmm? Parleremo en français. Oh, qui est-ce que tu dis? On va en espagnol. Espagnol. Je prends des rois. Va coger les reyes. Tu préfères les rois rouges ou les rois noirs? Rojos o negros? Negros. Noir. Noir. C'est pas grave. Je mets un roi rouge en bas, un roi rouge en haut. Uno arriba, uno abajo. Un noir. Ahora negro. Deux noirs. Segundo. Trois noirs. Zero. C'est pas normal, hein? No es normal, hein? Ah, je veux pas que je sois avec des noces. Ah, los portugueses. C'est bien, mais je ne sais pas où sont passés les rois. Hein. Está bien, pero no sé dónde están los reyes. Essayez de les retrouver. Voy a ver si los puedo encontrar. Je crois avoir une idée. Ah, tengo una idea. Peut-être un ici, ou voilà. Mejor uno ahí, otro ahí. Hein? Voilà. Oui. Si. Un, deux, cinq, un. Donc ça nous fait trois rois, un, deux, trois, quatre. Et où sont les as? Alors les as, ça c'est. Hein? Non, non, c'est pareil. C'est ici, ici. Regardez bien le 8. Là vient le 8. Deux personnes au lado de bébé. Oui. Si, on peut applaudir. Se peut applaudir. Tu peux examiner les rois un par un. Un par un. Uno por uno, lo puedes examiner. Et les as d'un côté, de l'autre. De los dos lados. C'est important. Hein? C'est important. Oui. Très bien. Très normal. Très, très normal. Vous avez regardé un par un, un par un. L'épaisseur. C'est normal? C'est normal. Ah, c'est normal. Et vous avez regardé les as? Les as, de l'autre côté aussi? Celui-là, regardez bien. Normal? Normal. Il n'y a rien? Non, il n'y a rien. Hop. Un roi. Premier règne. Deux. Dos. Tres, cuatro. Ah oui, si les rois sont ici, c'est parce qu'ici on a les as. Mais où est la vérité? Pero dónde está la realidad, la verdad? Est-ce que c'est d'avoir les rois? Es tener los reyes? Est-ce que c'est d'avoir les as? O los ases. La seule chose que je sais, la única cosa que sé, c'est que les cartes qui étaient là n'ont pas bougé. Es que las cartas no se movieron. Et ce sont des rois. Et il y en a 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4 reyes. Les cartes, c'est comme les hommes. Les cartes sont comme les hombres. Il y a des chefs. Hay jefes. J'ai besoin de 10 rouges et de 10 noirs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 rojos, rojas y 10 negros. 9 et 10 noirs, hein, c'est ça? Oui? Il manque un chef. Vous avez un chef. Voilà. Et j'ai besoin de 10 rouges. 1, 2,
3, 4, regardez si je ne triche pas, 5, mira si no hace trampa. 6, 7, en général on ne voit pas, 7, 8, 9, et s'il manque, une, et 10. En fait, je pourrais le faire avec tout le jeu. Podría hacerlo con todo el juego. Mais c'est trop long. Todo el paquete, pero es demasiado largo. Alors, j'ai pris un échantillon. Entonces, bueno, on vérifie. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rouges, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 noirs. Ça fait combien de cartes en tout? ¿Cuántas cartas en todo? 20. Bravo. 20. 4, 6 et 4, 10. On va imaginer que le chef des noirs, on imagine que c'est la dame de trèfle. Vamos a imaginar que el jefe es la, la reina de tréboles. Chef des noirs. Chef de los negros. Las cartas negras. On va imaginer que le chef des rouges, on va imaginer que c'est el jefe de los rojos, le roi de carreaux. El rey de diamantes. Chef des rouges. Chef de los rojos. C'est tellement vrai que si j'inverse les chefs. Es tan verdad que si inversa, invierte. La couleur suit. La couleur suit. Si j'inverse, invierte otra vez. Ça suit quand même. C'est impossible. Alors forcément maintenant ici nous avons les rouges. Bueno, aquí tenemos... Forcément maintenant ici nous avons les noirs. Il suffit simplement que j'inverse comme ceci. Si invierte, ça suit, je si mélange, invierte. Ça suit, je peux faire n'importe Mestre. Quoi. Bueno, puede ser lo que quiera, siempre sí. Ça suit. J'ai besoin de 4 dames rouges. On nécessite 4 reines rouges. Juste des dames. Juste dames. Okay. Il y a beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de cartes. Dames. Dames. Et une. 2. 3. Si c'est bien les dames. Sont les reines, hein? Hein? Si, oui. Oui, c'est bien les dames. C'est bien les dames? Oui. Si. Et dames rouges. Et je demande à quelqu'un de signer. Alors, qui veut signer une carte? Hay que firmar las cartas. Qui? ¿Quién firma? Oui. D'accord. Celui-là? C'est écrit quoi? Bleu? Et c'est écrit en azul, non? Non, c'est pas bien bleu. Non, c'est pas bien, non. Azul no está bien. Noir. Negro. Non, c'est bleu. Je vais vous demander de me dire stop quand. Basta. Basta quand vous voulez. Vous m'arrêtez quand vous voulez, d'accord? Stop. Celle-là ou celle-là? Esa o esa. Allez-y, vous faites une grande signature que tout le monde voit. Une grande firme, hein, así todo el mundo puede verla. Très joli. Muy bonito. Ah, c'est marrant parce que vous avez arrêté sur le 5 de carreau. Ça aurait pu être le 5 de pique. Le 5 de picas, le 7 de cœur. Le 7 de corazones. 5 de carreau. Et c'est le 5 diamantes. Que je mélange avec les. Que va mezclar con las reinas rojas. Ah oui, c'est ça. Oui. Attention. Cuidado. Mélange. Mezcla. Et. Le voilà. Et j'ai invisible. Invisible. Et voilà. Bien. La dos, là, bleu, et la signature. Et azul, la firma. Là. La pone ahí. Allez. Maintenant le dos est rouge. Ahora el dorso es rojo. Hein? Je t'ai dans le jeu. Tíralo en el juego. Dans le jeu, dans le jeu. En el paquete, en el paquete. Oui. Si. Si, si. Et il est à l'envers. Está cara al revés. Ben, c'est pas grave, on le voit pas, donc c'est normal. Lo más importante es que se ve. Un dos rouge. Un dorso rojo.
maintenant j'ai un problème. Ahora tengo un problema. Si je veux continuer, c'est pas facile. Si quiere continuar es difícil porque. Si une carte rouge dans un jeu bleu. Carta rojo en un paquete azul. Ça va pas, hein? Non, ça va pas. Souvenez-vous, le jeu est bleu et les dames sont. Hay que memorizar el juego es azul y las damas rojas. Oui. Si. Ne clignez pas des yeux. Cuidado, no hay que clignar los ojos. Maintenant, je vais rouge. Ahora el paquete es rojo. Et les dames sont bleues. Las reinas son azules. Et comme votre carte est sous l'influence des dames, Et une carte bleue. Pero una carta es azul. Et ici. Yes. Et. Est-ce que je vous explique? ¿Queréis que explique? Sí. Bon, si c'est une histoire d'amour. Es una historia de amor. Le 5 de carreau est amoureux de la dame de carreau. El 5 de diamantes está enamorado de la reina de diamantes. Vous voulez une preuve? ¿Queréis una prueba? Oui. Sí. Regardez bien. Mirar bien. Je pose le 5 de carreau à dos bleu ici. Je prends la dame à dos bleu. Je frotte son dos, il devient rouge. Je frotte sa face, ça devient le 5. Je frotte le 5, ça devient rouge. Et si je frotte le dos bleu ici, il devient rouge, mais ça, c'est pas important. Où est le jeu bleu? Pero ¿a dónde está el juego, el paquete azul? Où ça? ¿A dónde? Ah, voilà. Même s'il est là, c'est bien quand même. Mismo si está ahí, está bien, ¿no? Non. Oui. Mais en fait, moi, j'y suis pour rien. C'est pas moi. Elle ne l'a pas fait. Non, c'est elle. Ce sont les dames. Ce sont les reines. On pouvait croire qu'il était là. Il n'y a pas de cheveux bleus. On pourrait penser que c'était là. Il est vraiment rouge. Je veux vous montrer que ce sont les dames. Mais je vais vous montrer que ce sont les dames. Je mélange les dames avec le jeu. Mezcla a las damas con el juego. Et maintenant, on n'a plus que des dames, 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 reinas. Et bien, le 5 de carreau a bien de la chance. Et le 5 de diamantes tiene mucha suerte.